Ah, et voilà le son du Mario et Luigi Dream Team Bros. Bonjour à tous, ici Cosmorev et nous voici sur le Let's Play de Mario et Luigi Dream Team Bros, qui est un jeu édité par Nintendo et développé par Alpha Dream en 2013. Alors ce jeu-là, par rapport à celui que j'ai fait sur Voyage au Centre de Bowser, c'est que celui-là, je l'ai fait. Donc, mais en même temps, ça fait quand même un petit peu de temps que je n'ai plus touché. Voilà quoi. Donc ça c'est ma partie, hein, mais bon, je vais la laisser parce que j'avais des choses à terminer sur celle-là. Même si je l'ai terminée. Donc on va commencer directement une nouvelle partie. Donc moi c'est plutôt droite. Et on commence. C'est parti. Alors, j'ai vraiment, par une belle journée, j'ai vraiment hâte de commencer. Donc désolé si je n'ai pas pu envoyer hier de vidéo parce que j'avais trop de choses à faire et donc voilà, j'avais pas beaucoup de temps pour faire. Donc je suis désolé. Au château de Peach dans le royaume champignon. D'accord. Ouais, bah ça c'est ce qui va vous emmener sur l'île Kousinos, je crois, si je m'en souviens bien. Fut reçue une invitation envoyée de l'île Kousinos. Voilà, c'est ça. À la splendide Peach et à ses sujets, une île de rêve vous attend, l'île Kousinos. Notre équipe sera ravie de vous accueillir pendant votre séjour. Le propriétaire de l'île Kousinos. Eh ben c'est... La princesse décida de faire le voyage accompagnée de quelques personnes de sa suite. D'accord. Et qui fait partie. Mais peu auraient pu s'imaginer ce qui les attendait. Oh, mais il y a des retardataires. Mario, te voilà. Allez Luigi. Ah mais, non mais, l'humour de Luigi j'adore. Sincèrement, c'est toujours aussi décalé, j'adore ça. Ah bah ouais. Et ils sont partis pour un nouveau voyage. Quelles folles aventures vont les attendre. Ah, je suis content de faire ce let's play. Surtout que j'ai perdu beaucoup de temps pour apprendre à habiller pour les tutos pour habiller sa 3DS lors d'une vidéo. J'ai eu un peu de mal au départ, mais... Mais bon, ça m'a pris beaucoup de temps pour faire l'habillage de la 3DS, donc... L'île Kousinos. Je n'ai jamais entendu parler. Princesse, j'ai un mauvais pressentiment. Nous pouvons encore renoncer à ce voyage. La télé... Téléchien, télédog. Oh, qui est donc cette personne? Bienvenue à tous, ravi de faire votre connaissance. Je suis le docteur Coltar, propriétaire de l'île Kousinos, et... S'est-tu endormi? Oups. Veuillez m'excuser, je suis chercheur en sciences du sommeil. Et sur l'île Kousinos, on trouve un étrange pouvoir qui vous fait dormir profondément. Un pouvoir spécial qui fait dormir, bah l'hiver, on aura tout entendu. Ce ne sont que des inepties, princesse, tout ça me paraît vraiment très louche. Oh, ouf, ouf. Allons, allons, ne dites pas de telles choses. Détendez-vous jusqu'à ce que nous arrivions sur l'île et profitez du voyage. Houhou, ce chien jaune va vous tenir compagnie. Ah, y a encore un autre passager? Il est très intéressant. Houhou. Ouais bah endors-toi. Hein. Ah, lui, le méchant principal. Quoi ça? Je sais plus son nom d'ailleurs. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas joué à celui-là. Il a vraiment la tête bien dark. Ah. Ça c'est vrai, c'est le tuto. Maître Mario, cela fait un moment que vous n'avez pas combattu, vous n'êtes pas trop rouillé.
devrais-je vous rappeler comment on attaque? Mais j'ai remarqué, pourquoi c'est toujours le vieux qui me fait les, qui me fait la parlotte là sur les tutos? Ah oui, bien sûr, je m'en attendais pas moins de Mario. Allez, sautons. Yaha! Il permet même pas de t'aider. Ah non, d'accord. Oh, heureusement que je perds pas de PV. Oh non. Oh. Sauter. Et voilà, battu. Ah ouais, bah je l'ai fait remarquer quand j'étais au... quand je jouais au premier épisode de Voyage au centre de Bowser. Le Bowser, il était bien plus énervant à battre. Lui, c'est deux coups et puis c'est bon. Hein. Ça y est, c'est... le tout est torché, quoi. Ah. Oh, on tombe, non. Oh là là, attention. Oh là 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 là. Et Luigi, normalement, il devrait pas tomber. Là, il est complètement hors du truc. Hein. Hors du... de la navette. Il devrait tomber. Prochaine arène, il Cousinos. Et le naturel de ce mec, quand même, dans son chien, là. Dans sa vidéo chien, là. Ah non, il est naturel, le mec, hein. Mais bon, vu comme ça, on dirait qu'il est très petite, mais en fait, non, elle est géante, hein, l'île. Alors, mais vu comme ça, c'est vrai que ça fait vraiment petit. Ah. Luigi. Allez, endors-toi. Luigi, ah, toujours en train de rêvasser. On dirait plutôt qu'il a fait un terrible cauchemar. Luigi, on est arrivé sur l'île, Cousinos. Luigi, t'es beau. Oui, enfin, Luigi, ça. Voyons, par quoi allons-nous commencer? Bienvenue sur l'île Cousinos. Nous vous attendons avec impatience. Permettez-nous de vous faire visiter. Dirigeons vers le château. Attendez. Attendez une minute. Le docteur Coltard est le propriétaire de cette île, si je ne m'abuse. Son Altesse, la princesse Peach, a fait un long voyage pour le rencontrer. Je trouve cela regrettable qu'il ne se soit pas donné la peine de venir nous saluer en personne. Pas du champignon, ah non, c'est rien. Oui, ça me revient, j'aurais dû vous prévenir. Le docteur Coltard s'est malheureusement absenté pour affaires. Il voyage énormément pour faire de la promotion de notre île et attirer les touristes. Il nous a donc chargé de vous faire savoir qu'il ne pourrait pas vous recevoir en personne pour le moment. Oh. Très bien. À tout à l'heure. Bon bah... Comme tout ceci est merveilleux. Allons, tout le monde, dépêchons. Bon bah j'ai pas le choix. Bonjour, bonjour. Comme vous le savez sûrement, le pad circulaire ça déplace le bouton A et sauter. Maintenant regardez cette icône en haut à droite de l'écran. Là en temps normal, elle indique l'action saut que vous pouvez effectuer en appuyant sur le bouton A, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas tout. Approchez-vous d'un personnage ou d'une pancarte et cette icône changera. Lorsque l'icône d'action change, appuyez sur le bouton A. Vous pouvez ainsi parler avec quelqu'un ou lire les pancartes. Mettez donc ceci en pratique lors des escapades sur l'île. Très bien. Et moi, Luigi... Allez, Luigi, t'es où, quoi? Rien à faire, il dort comme un sonneur. T'inquiète pas, Mario, tu reviendras nous réveiller. Par devant, on le rattrape plus tard. D'accord. Bon, sincèrement, j'adore ces graphismes-là. Ah, pour un Mario en 3D, j'adore ça. J'espère qu'ils nous en feront d'autres, hein, des Mario Luigi. Donc, ouais, mais sincèrement, ce jeu-là, il est vraiment beau graphiquement, j'adore. C'est vraiment... Oh, oh là là, le bienvenu en plus est royal. Oh, c'est magnifique. Génial. Oui, je suis Mario, laissez-moi passer. Je suis un prince, j'ai libéré plein de fois des royaumes. Excusez-moi, vous avez une minute? J'aimerais attirer votre attention sur un des services que nous proposons à nos visiteurs, la sauvegarde. Celle-ci permet de garder en mémoire les moments passés sur l'île, et ce, sans limite de temps. Je crois que c'est la première fois que vous foulez le sol de notre belle île. Laissez-moi vous expliquer comment sauvegarder. Dehors, regardez l'écran tactile. Voyez-vous ce S imposant, cette belle icône qui indique sauvegarder? Oui, ici même. Si vous touchez cette icône, vous pouvez sauvegarder votre progression actuelle.
De la même façon, vous pouvez frapper le bloc comme ceci. Ça vous permettra également d'enregistrer la partie en cours. Ton voyage comporte une part imprévue, mais tant que vous sauvegardiez régulièrement, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, alors n'hésitez pas à utiliser ce service. Ouais, mais bon, j'aime bien les systèmes de sauvegarde à la Mario Party. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas sauvegarder à tout moment dans un jeu Mario, Mario Luigi. Je préfère moi faire l'ancien système où on avait les blocs de sauvegarde, on sauvegarde à ces systèmes-là. C'est pour ça que vous n'allez pas vraiment me voir utiliser le bouton en bas. Mes chers amis, vous souhaitez voir le château Cuisinos? Ouais, ouais, ouais. Vous désirez des pièces? Ouais, ouais, ouais. Vous vous ressentez the passion? Ouais, ouais, oui. Alors, let's go pour la 612e fois, les Cuisinos, le quiz de bienvenue. Ouais, 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 tout le monde est content, tout le monde est fier. Ne prenons pas de retard, voulez-vous? Voici The Quiz de bienvenue de l'île Cuisinos. Je suis, oh, do you say, le MC de votre guide touristique 2. Cette forme carrée, ce jaune identifiable, cette moustache élégante, je vous l'accorde. Yes, this is me, Charles Block. Welcome, très jolie Princess Peach, et les autres, moins jolies people aussi. Ah, vous en rouge avec un moustache. J'ai l'impression que vous nous sommes déjà vus, you and me, non? Non, j'ai l'impression que je l'ai jamais vu. Bon, ça n'a pas d'importance, c'est l'heure du quiz. Ah bon, il apparaît dans quel jeu ce mec? Pouvez-vous me dire dans les commentaires qui est cette personne en fait? Parce que j'ai l'impression qu'il connaît Mario. Vous m'aurez l'impression, je le vois, répondez correctement. Et ne craignez pas l'échec, il n'y a pas de pénalité en cas d'erreur. Dans le pire des cas, vous apprendrez les détails sur l'île et gagnerez une pièce, sauf tout. Alors qu'en dites-vous, ça me paraît the best comme activité de bienvenue, non? Comme tout ceci est charmant, si. Oui, quel fun, n'est-il pas? Alors c'est parti. Tout d'abord, en entrée. Le vrai ou faux? Ouais, ouais! À chaque affirmation, si vous répondez par vrai, vous devez aller converger avec l'employé bloc d'une seule panneau. Enfin, si vous voulez répondre par faux, n'est-ce pas? Allez converser avec l'employé blog sur le panneau X16i. So, vous êtes prêts? Vrai ou faux? C'est parti! Affirmation number 1. Cette île s'appelle l'île Cuisinos. Please, déplacez-vous vers le panneau de votre choix et convergez avec l'employé blog qui s'y trouve. Alors, l'île Cuisinos, bah, bien sûr. Vous choisissez. Donc, oui. Ça, c'est une question facile. C'est vrai! Wouhou! C'est très facile. That is right. Nous sommes toujours bien sur l'île Cuisinos. Voici une récompense pour cette bonne réponse. Oh, 5 pièces. Youpi! Voici une bonne façon de commencer à jouer, n'est-il pas? Alright, poursuivons. Voulez-vous affirmation number 2? Affirmation number 2. Le propriétaire de cette île s'appelle Dr. Colto. Non, choisissez. Bah non, c'est Dr. Coltard. Choisissez X, bien sûr. Bah, Princess Peach, venez. Vous l'avez entendu au début du jeu, comment ça se fait que vous l'aviez déjà oublié? Le propriétaire de cette Islande est le Dr. Colta. Vous avez répondu correctement. Air, voici vos pièces. Ouais, super. C'est bien de gagner des pièces là pour commencer, c'est bien. Le quiz touche à sa fin. C'est tout? Je croyais qu'il y avait une troisième question. Nous espérons que cela vous a plu. Un accueil fun, n'est-il pas? Super, j'adore les portes comme ça moi. Nous nous reverrons au château Cuisinos. Aura, my dead friend. Moi, c'est des petits. Nous devrions nous aussi nous mettre en route pour le château sans plus attendre. C'est. Moi, j'aime bien les petits détails comme ça. Non, j'aime bien. Coloré, c'est toujours aussi magnifique. Ça, c'est super. Donc là, il n'y a rien. Donc ça, c'était où je venais. Alors, on peut continuer. Oh. Super. Alors, pièce. Waouh, un déguisement complet. Laissez-moi l'essayer. Je suis Protodor, la mascotte de l'île. Et non, ceci n'est pas un costume. Non, ce n'est pas du latex. Il n'y a personne à l'intérieur. Hein? Ah, tous ces confettis. Quel spectacle, c'est si joli. C'est incroyable, inimaginable. Et il y en a tellement. Peut-être trop même. De quoi je parle? Des confettis, bien sûr. Ah bon? Ouais, mais c'est qui les lance?
Protodor, gardien protecteur, l'île Cousinos a vu prospérer en son sein un grand et puissant royaume. La légende raconte que ce royaume était gardé par un dieu protecteur, Protodor. D'accord. Donc on en saura plus à son sujet, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai un peu du mal à me recentrer sur le jeu là, vu que ça fait longtemps quand même. Mais bon, je pense que je me souviendrai vite. Hein. C'est le genre de jeu, je m'en souviens vite. C'est incroyable, inimaginable, il y en a tellement, peut-être trop même. Ah non, ça j'ai déjà lu. Ça? Quel accueil. D'accord. Ah, donc c'est ça qui doit lancer les confettis, attends. Ouais, c'est ça. Oh, good sir! Le château Cousinos est dans cette direction. Tout le monde attend votre arrivée avec grande patience, vous savez. Ne vous perdez pas en chemin, please. Allons, dépêchons en avant. Oui, soyez prompt, je dis. Hihihi. D'accord, j'arrive. Nom d'une super étoile, cet endroit est un vrai labyrinthe. Ah bon? Je saute et puis c'est pas si labyrinthique que ça. Oula. Protodor vous déconseille de courir en cercle comme des dératés. Ouhou. Bienvenue sur la confortable et douillette île Cousinos. Ah bon, c'est un coussin géant maintenant. Ah, mais j'arrête pas de parler aux deux. D'accord, je savais pas que l'île Cousinos c'était un coussin géant. Ah, super, des pièces. Comment résister à l'envie de câliner Protodor? Il est si doux et dufteux. N'est-il pas? Ah, l'île Cousinos, rien ne vaut une bonne bouffée d'air marin. D'accord. Bienvenue. Le château Cousinos se trouve plus loin à l'est. Clic clic. Il y a tellement de photos à prendre, c'est fou. Clic clic. Ah, l'océan est si beau, sniff. Et ses fleurs si parfumées. Oh, héroïne, si mystérieuse. Ah oui, non mais c'est bien parce que c'est. Y a plus, sur la carte, il y a plusieurs zones différentes avec des thèmes variés. C'est bien, ça c'est bien. C'est... Tiens donc, ouais, tiens donc, je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez jusqu'ici. Je vous félicite. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Ou est-ce que la fin est une bonne chose? Bref, non, c'est l'heure du dîner. Et le dîner, c'est vous. Oh yes. Non, le dîner, plaît-il? Ah, Yes, my friend, c'est la raison pour laquelle nous vous avons fait venir ici. Vous allez être servi au monster fermé to eat. Regardez. Look, my dear. Deux petits monstres pour le tuto. Il meurt de faim, yes, la faim, voyez-vous. Mon pauvre... Oh, oh, mon pauvre homme, vous avez perdu la raison. Ça y est, maintenant, le papy, j'en ai fait un anglais. Non, vous avez perdu, comme je l'ai dit, vous êtes la pâtée pour monstre. Vous plaisantez, assurément. Non, I don't know, plaisant, cruel, frié, vous serez mangé out of you par les monstres affamés. Chichi, ha ha ha. Oh, le vieux rire pas crédible. Princesse, nous devons partir d'ici. Tiens, bien fait. Vilain monster, pas sauter, no. Do calm, doucement, take it easy. Tiens, voilà, voilà. Fallait pas nous sortir les monstres pour le tutoriel. Mario, attention. Le tuto, alors. Oh, encore lui. Maître Mario, comme vous pouvez le voir, le combat commence quand vous touchez un ennemi. D'abord utilisez l'attaque du saut sur cet ennemi. Je sais, j'adore vous faire des tutos, dans tous les Mario je vous fais ça. Et tu nous énerves le vieux. Je sais plus si dans le... Je sais plus si dans le Partner in Time, il est aussi dans le tutoriel. Vous avez remarqué le nombre qui apparaît lorsque vous écrasez. Il représente les dégâts que vous causez à l'ennemi, Maître Mario. Quand vous causez des dégâts à l'ennemi, ses PV, points de vie diminuent. Et vous pourrez ainsi vaincre le monstre. Oui. Connaissez-vous l'astuce pour attaquer l'ennemi plus efficacement? Je vous explique? Non. Casse-toi, le vieux! Je n'en attendais pas moins de vous. Vous n'avez aucune explication. Eh bien, attaquons. De toute façon, c'est la seule icône que j'ai. Grandiose. Parfait. Un saut magnifique. D'accord. Je rattaque. C'est bon? Ils sont résistants quand même, les monstres. Et... Mais allez, mais c'était des petits monstres de base, ça. Maître Mario,
Comme vous l'avez remarqué, vos ennemis se rapprochent de cette attaque. Vous pourrez cependant éviter ce genre d'attaque. Devrais-je vous expliquer? Non! Je serai sur l'autre côté pour vous encourager. Tu vois bien que j'évite, alors c'est bon. Toujours pas battu. Mais il a combien de PV? C'est pas un boss. Esquivez l'attaque ennemie pour vous. Et vous ne subirez aucun dégât. Étudiez bien la façon d'attaquer et de l'ennemi pour sauter au bon moment. Le timing est vital. Bah oui, moi je connais le timing depuis longtemps. Voilà. Donc, super. Maître Mario, une victoire pleine de maîtrise. Si vous battez les ennemis, vous recevrez de l'expérience, c'est-à-dire des points d'expérience. Pour le combat, vous aurez reçu 3 expériences. Ce sera pour grimper lorsque vous gagnez de l'expérience. Jusqu'où montera-t-il avec ce que vous avez gagné? Il n'y a pas vraiment bougé. C'est pourquoi vous devez affronter vaincre tous les monstres que vous rencontrez. Faites-les en bas de la poussière. Mettez-les tous KO. Faites monter le drapeau tout en haut. Quand le drapeau atteint le sommet, vous verrez bien. Sur ce, oui, comme d'hab, on gagne un niveau. Bonne chance à vous. Et sur l'écran du bas, rang champignon, et vous avez d'autres rangs. Je sais plus si je sais plus du tout si au final on débloque une scène finale ou quelque chose de spécial une fois qu'on a atteint tous les rangs. Je sais plus. Sincèrement, je sais plus. Qu'est-ce que ça signifie? Il a quand même pas sérieusement voulu nous donner en pâture à ces monstres. Si c'est le cas, votre Altesse, nous sommes dans un drôle de pétrin. Maître Mario, je vous en prie, un tournant pour les moins dangereux. Mes compagnons et moi-même allons rester ici pour protéger la princesse. Pourquoi ne partiriez-vous pas devant voir ce qu'il se passe? Très bien. Très bien, très bien. On y va alors. Ah mais super fleuri, c'est magnifique. J'adore, moi je suis amoureux des décors de Mario quoi. Les décors colorés comme ça, j'adore. Ah hi-ho, at last, nous voilà. Vous m'avez fait attendre bien trop longtemps. Tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu, non. Mais this time, ce ne sera pas aussi facile. Encore un monstre, oh là. Non mais je connais tout maintenant. Celui-ci est bien plus fort, yes, et Roras avec ça. Préparez-vous à passer la moulinette, et ça va être haché menu. Go! Mordu! Oh, il est pas très enthousiaste ton monstre, dis donc, le cube. Eh hey, oh, debout! You, tireur flan, c'est pas l'heure de la sieste. Oh, Maître Mario, à vous de jouer! Maudissez sur l'ennemi pour lancer le combat! Cela vous permettra aussi de causer des dégâts sur les ennemis avant que le vrai combat commence! Yeeha! Et on recommence la manip! On redéfonce le monstre! Ah non, en plus, ils sont deux! Il est où, Luigi? Il est où? Maître Mario, si vous lancez le combat en écrasant l'ennemi comme vous venez de le faire, vous causerez des dégâts à l'ennemi avant même que le combat commence! Je vous recommande de faire ainsi plus souvent que vous pouvez! Et maintenant, casse-toi, le vieux. Oh là, ça va me prendre du temps pour les battre encore. Allez. Maître Mario, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais vous pouvez contre-attaquer ces vilains monstres. Devrais-je vous expliquer comment contre-attaquer? Non! Je n'en attendais pas moins de vous, pensez, Maître Mario. Mais non, c'est pas possible. Le vieux va me déranger tout le temps, ou quoi? Plus ça me prend du temps, si Luigi était là, j'aurais gagné plus de temps. Mais bon. Maître Mario, il n'y a rien d'autre que je puisse faire pour vous enseigner sur les contre-attaques. Bon courage à vous. Oui, bah non, c'est bon, pas. De toute façon, comme d'hab, tu sers à rien, quoi. Tu sers juste à donner des conseils alors qu'on connaît déjà les manies. Voilà. De l'expérience gagnée, super. Bon, c'est super ça. Well. Wouhou, tête de carré de revenus gentils. Mis à part quelques impairs, ça et là, le spectacle était plutôt réussi, don't you think? Ah, une seconde. Vous voulez dire que tout ça n'était qu'une mise en scène? Oui, of course. Ce n'est que le début des activités que nous avons préparées. Vous avez ressenti the passion, n'est-ce pas? La partie pour moi est excitante, n'est-il pas? Oh, je suis tellement soulagé, j'ai eu super.
Ah, ça me fait plaisir à entendre. Well, passons à la suite, voulez-vous? Et la porte s'ouvre. Youpi! Le château Cousino, c'est à deux pas d'ici. Nous y sommes rapidement. Suivez-moi. Allez, c'est parti. J'ai assez attendu là. Il semble que nous arrivions enfin à destination. Thank you, Mario. Merci de nous avoir menés jusqu'ici sain et sauf, Mario. Oh, mais au fait, comment va Luigi? Question très pertinente, Votre Altesse. Nous ne l'avons pas revu depuis que nous avons quitté l'aérodrome. C'est pour être-il qu'il dorme toujours? Mario! J'ai des nouvelles de Luigi, il en écrase toujours autant. Nous faisons de notre mieux pour le tirer de ses rêves sans succès. Nous ne perdons pas espoir, continuons, nous vous retrouverons plus tard. Eh bien, voilà un beau spécimen de mollasson. Allons tout le monde, continuons. Ah bah, le tir au flanc. C'est n'importe quoi, non mais Luigi... Oh les belles allées, oh là on ira plus tard. Hein. Il y a un accès en haut de la carte donc il y a quelque chose. On peut en parler ou pas? L'île est pleine de surprises, il y a tant d'affaires et à voir. Oh en plus je les ai même pas parlé moi. La première fois que j'y ai joué, j'ai même pas parlé. Je savais même pas ce qu'ils disaient, s'il y avait quelque chose de spécial ou pas. Bonjour. Ah en fait ils disent rien quoi. Faites du bruit. Non bah. Heureusement j'ai rien raté en fait. Quand j'ai joué pour la première fois, j'ai rien raté vraiment. Alors. Est-ce qu'on peut aller. Ah non, on peut pas. Ça, c'est un grand château, ça. Eh bah, c'est un temple, hein, ça. Oh mon dieu, ils ont payé combien pour ce palace? Welcome, oui, welcome, bienvenue au château Cousinos. Est-ce que vous passez tous un bon moment sur notre belle Island? Yes, vous voyez mon visage, me dit que yes. Bien, je suis sûr que nous n'avons pas le temps de nous ennuyer. Oh, sweet princess, c'est mon réchauffe le cœur. Mon heart, ils font. Les rêves deviennent reality. Et maintenant, please, entrons dans le château. Let's go! Ah, bah voilà, Luigi! Oh! N'importe quoi. Toujours de belles mises en scène, Luigi. Un bel entrée en matière, quoi. Maître Luigi, vous êtes en retard. Luigi, je suis heureuse de voir que vous avez... nous rejoindre à temps. Nous étions si inquiets de ne pas vous voir arriver. Oh, that's right. Mr. Luigi a dû lui aussi prendre part au quiz de bienvenue en venant ici. N'ai-je pas raison, Mister? Yeah, j'ai raison. Bien, Mr. Mario et Mr. Luigi, vous avez gagné des pièces in the quiz, oui. Et combien l'avez-vous obtenu? Oh, à vous deux, vous avez gagné 50 pièces. Mais cette somme est un peu, oh, you say, mec, non? Que diriez-vous de jouer à un autre petit jeu pour offrir votre bourse? Avant de vous décider, sachez ceci, le jeu est rapide and easy. Et pourquoi pas, oui, vous devez essayer. Ah, I love the princess, quel entrain. Allez, accepte. Ça, au moins, gagne des sous. Very well, puisque le temps, c'est de l'argent. Jouons maintenant au jeu des pièces à gogo. Let's go! Oula, hé, hey, il sort d'où cette machine? Il vient de tomber d'où là? Il l'a sorti de sa poche? Mr. Mario, Mr. Luigi, vous devez frapper les blocs tour à tour afin de faire s'élever les plateformes. Mr. Mario doit frapper le bloc rouge en appuyant sur le bouton A, yes. And Mr. Luigi doit frapper le bloc B en appuyant sur le bouton B, easy. Cognez les blocs tour à tour et en ruine pour élever les votre sky. Oh mais d'où il sort ce truc? Plus vous montrez haut, plus le multiplicateur sera élevé. Et si vous atteignez le top en haut, je vous offrirai même une prise spéciale. Sauf pour un peu de bloc tour à tour et essayer d'aller le plus haut possible. D'accord, bah je vais essayer. Alors, à vos marques, prêt pour le jeu de pièces à gogo, starter. Je commence par lequel? Mario ou Luigi? Allez, Mario. Allez, Mario. Non. Allez. Non. Allez. Oui. Yes. En même temps, c'est facile. Mais bon, ouais, j'ai flippé quand même au départ. Stop. Yes, what were? Ah, j'ai flippé quand même. Wonderful. Marvelous. Parfait. Vous avez 50 pièces que nous multiplions par 3. So, en tout, ça fait 150 pièces. Super, merci.
Waouh. Là, je suis vraiment content de gagner 150 pièces, hein. Et voici le prix spécial pour le parcours sans faute, un super up. Ah, super. Ça, c'est un gros cadeau, ça. Ouais, ça va bien m'aider pour l'aventure. Le jeu touche maintenant à sa fin. Mais Wright, pour vous remercier d'avoir joué, oui, j'insiste, prenez ce champignon. Ah, super. Non, c'est super, bah... Là, il m'a... Ouais, bah, c'est bien pour commencer l'aventure. Justement. Mr. Mario, Mr. Luigi, ce fut exaltant, n'est-il pas? Yes, mais les activités de bienvenue sont désormais terminées. Maintenant, au château. Voilà, ça, donc, ça signifie la fin du tutoriel. Et vraiment le début de l'aventure. Ah, étoile d'or! Donc moi, en fait, la première fois que j'ai rencontré l'étoile d'or, c'était justement dans ce jeu-là, parce que moi, je n'avais jamais joué au 3. Je savais pas du tout qu'elle était là. Donc quand j'ai fait mon premier épisode et que je l'ai vu, je me suis dit ah bah tiens, je l'ai vu dans le 4. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse si j'avais commencé par Voyage au centre de Bowser. Il y a tant de choses à voir. Je ne sais pas par où commencer. Oh, regardez, c'est étoile d'or. Princess Peach, Baby Jambi. Toi aussi, tu as été invité sur l'île? Oui, je suis venu ici pour représenter les esprits des étoiles. Wouhou! Alors je prenne mon mieux. Mais oui, je suis sûr que tout se passera pour le mieux, une étoile aussi brillante que vous. Mario? Ça faisait tellement longtemps. On ne m'a pas revu depuis nos dernières aventures. La princesse doit se sentir rassurée de savoir auprès d'elle. Oh. Hé, Luigi, toi aussi t'as fait un deuil. Et ta présence aussi doit être rassurante pour la princesse, bien sûr. Enfin, c'est ce que j'aurais tendance à dire, mais... Tu n'as pas l'air bien, ça va? Mais regarde-toi, tu es passé sous un train ou quoi? Tu viens à peine de poser le pied sur l'île, comment peux-tu être déjà si fatigué? Elle a pas pris de douche en plus. Et en sueur. Oh, excuse me! On dirait bien que vous souffrez de votre combat précédent, yes? Maybe vous devriez utiliser ce champignon que vous avez donné. Oui, c'est une bonne idée, mais non, j'ai pas envie de l'utiliser maintenant! Mais non, pour une fois. Alors, tu as reçu un champignon? Ok, mais tu sais comment l'utiliser? Peut-être que je devrais vous le rappeler à Mario et à toi! Non, moi je connais, c'est bon, tu me l'as déjà expliqué dans le premier épisode de mon Let's Play. Vraiment, tu es sûr? Les champignons sont parfois fourbes, ça ne sera pas long! Oh. Bon, allez, pour une fois, hein. Je peux rien lui refuser, elle est trop gentille. Bien, tout d'abord, il faut appuyer sur Star pour voir le menu. Moi, j'aime bien ce menu-là. Et avec la carte du monde, j'aime bien. Ceci est l'écran du menu. Venez ici pour utiliser les objets que vous avez collectés. Ou changer d'équipement. Ou faire quelques recherches sur vous. Sur l'écran 3D, vous pouvez voir votre position actuelle ainsi que le nombre de pièces. Oh, et le temps de jeu aussi. Il y a des montagnes d'infos sur l'écran du menu. N'hésitez pas à y jeter un œil de temps à autre. Bien, essayons d'utiliser un champignon. Quand vous désirez utiliser un objet que vous possédez, choisissez l'objet. Choisissez un objet avec la manette plus, puis sur le bouton A. Vous pouvez aussi simplement toucher l'icône de l'objet. Pratique, non? Essayez donc. Donc, objet. Bien, donc ce sont les objets que vous possédez déjà. Nous voulons choisir les champignons dans cette liste. Alors, champignons. Une fois que vous avez sélectionné l'objet que vous voulez utiliser, vous avez choisi qui utilisera. Pour cette fois, sélectionnez Luigi. Désolé, là j'ai eu une petite faute de langue, mais je me demandais en fait pourquoi Luigi avait perdu autant de PV. Très bien, il est guéri. Bien, revenons à l'écran précédent. Vous pouvez appuyer sur le bouton B pour retour et revenir à la gauche. Vous pouvez aussi toucher l'icône retour en bas. Maintenant, appuyez sur le bouton B. D'accord. Voilà, je vous ai tout dit, appuyez sur le bouton B. Donc voilà, déjà, je retourne sur le bouton B. Ah, je l'adore, étoile d'or. Je peux pas lui refuser un tutoriel pour elle. Mais pour les autres, comme le vieux, non. Alors là, lui, il m'énerve. Well, mesdames et messieurs, comme je le disais, bienvenue sur l'île Crucinos. This castle, le château Crucinos, vous devez absolument le visiter. Yes, il vous faut toucher à tout, badiner avec le personnel. Vous devez faire du tourisme, oui, baladez-vous dans le château. Tenez-nous informés, live on live. Laissez-nous guider par le staff. Yes, car c'est comme ça que vous trouverez le meilleur moyen d'évoluer dans ce petit coin de paradise.
Ah, au fait, n'oubliez pas de passer par la boutique de souvenirs. Elle est où la boutique? Le shopping, yes, c'est ici. Quand vous aurez accumulé les souvenirs, revenez me voir, please. Maintenant, go. Charmant. Attends-nous de visiter le château. Très bien. Mais je pense que la visite du château se fera dans un prochain épisode. Il y a une sauvegarde quelque part. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas vraiment envie de sauvegarder en appuyant sur l'écran du bas. Pour la simple raison que moi, je suis beaucoup plus pour la traditionnelle sauvegarde. Donc voilà, c'est donc ici que va se finir ce let's play de Mario Luigi Dream Team Bros. N'hésitez pas à écrire des commentaires, à dire vos impressions. Si vous avez des défis à me proposer, proposez-les moi, justement. Ça donnera un peu plus de défis à ce jeu. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine. Salut !